bonjour, nous allons partager donc une, une série d'enseignements sur le thème il faut naître de nouveau. il faut naître de nouveau. je vais vous inviter à prendre votre bible si vous en avez une. on va lire dans le livre de jean, chapitre 3, du verset 1, on va lire jusqu'au verset, jusqu verset 13. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de ces choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel le fils de l'homme qui est dans le ciel alors nous allons parler d'un thème très important et ce thème c'est il faut naître de nouveau ici dans le dans le passage que nous venons de lire la bible dit dans le verset 7 et c'est Jésus qui parle ne t'étonne pas que je t'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau nous allons partager ce thème sur quelques, sur quelques enseignements. Sur, sur, on va faire donc une série. Et le premier, la première partie que j'aimerais aborder, je veux l'intituler La futilité de la religion. La futilité de la religion. C'est très important. C'est un, un texte, un message très important. C'est un enseignement que je vais faire. Je vais aller vraiment pas à pas. Je vais vous donner des passages. Mais il est important que nous puissions comprendre ce, ce, ce thème, la futilité de la religion. Il faut que l'Église sache ce qu'elle est. Il faut que le chrétien sache ce qu'il est. Et c'est quand nous savons qui nous sommes en tant qu'Église que nous pouvons nous démarquer. Parce qu'il est important que nous puissions nous démarquer afin d'avoir l'influence et l'impact nécessaires. On ne peut pas influencer le monde quand on fait comme le monde et quand on est dans le monde. C'est pourquoi l'Église est appelée Église, dit grec Ecclesia, qui veut dire ceux qui sont appelés hors du monde. Et c'est quand nous découvrons notre identité réelle que nous pouvons, nous savons qui nous sommes et que nous pouvons effectivement avoir un impact. Il y a trop de religions dans ce monde. Il y a même une compétition entre les religions. Et à cause de la multitude de, la multitude de religions qu'il y a, est, il, il est, il est, les, les, les chrétiens courent le danger de s'identifier simplement à une religion comme les autres. Bien aimé, le christianisme n'est pas une religion parmi les autres. Le christianisme n'est pas une religion parmi les autres. Je peux me permettre d'aller un peu plus en profondeur. Le christianisme n'est même pas une religion. Le christianisme n'est même pas une religion. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais parler de la futilité de la religion. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut naître de nouveau. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une suggestion, ce n'est même pas un commandement, c'est une nécessité. C'est une nécessité absolue en ce qui concerne le royaume de Dieu. Si vous voulez voir et si vous voulez faire partie du royaume de Dieu. En d'autres termes, si vous voulez être chrétien, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous soyez quelqu'un qui est né de nouveau. C'est très important. Je vais, faire un, 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 un petit, je vais placer un, un petit fondement, une petite fondation là. Nous lisons dans le livre de Jean, l'évangile de Jean est différent des autres, non seulement dans la forme, mais aussi dans le contenu. Il est différent des évangiles qu'on appelle évangiles synoptiques, qui sont un peu euh, des évangiles qui racontent un peu l'histoire, un peu, un peu biographique, chacun d'une certaine façon, de la vie du Seigneur Jésus-Christ et, et de ce qu'il a fait. Jean est différent. Jean est écrit dans une perspective différente. Il commence avec ⁇ Au commencement était Dieu ⁇ Dieu, la divinité au commencement. Et ensuite, Jean continue pour nous montrer que cette, cette divinité s'incarne en Jésus-Christ, qui est celui qui est le donneur de vie. En Jean 1, au verset 4, il dit et la, 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 il était la lumière et la, 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 cette vie était la lumière des hommes. Plus tard, dans le verset 10, par exemple, dans le chapitre 10, par exemple, il dit le Seigneur nous dit qu'il est, il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Et cette histoire que nous venons de lire est très importante. Elle nous enseigne des choses très importantes. Je vais vous dire pourquoi. Dans le chapitre 2 du livre de Jean, il est question des noces de Cana. C'est une histoire que vous connaissez certainement. C'est le premier miracle de Jésus-Christ dans le livre de Jean. Le premier miracle de Jésus-Christ consiste à changer l'eau en vin. Ce miracle n'est pas une excuse théologique ou biblique pour ceux qui veulent s'adonner à la consommation abusive de l'alcool. Ce, ce miracle a une signification très profonde. Le livre de Jean est un livre qui nous parle de la vie de Dieu dans l'âme de l'homme. L'eau est symbolique de la mort. Et Jésus qui transforme l'eau en vin, est symbolique de la nouvelle vie de l'esprit que Dieu communique et transmet à l'homme. La Bible nous enseigne dans le, dans le chapitre 2 que les vases de purification des Juifs, six vases, qui est le chiffre de l'homme, l'homme créé au sixième jour, et les vases représentent l'inabilité de la religion à purifier effectivement l'homme. C'étaient des vases qui représentaient des rites, mais des rites morts qui n'ont pas de puissance auquel l'homme s'adonne de façon répétée. Et Jésus qui transforme l'eau en vin est symbolique de, de, de la transformation de la mort à la vie. Souvenez-vous que le livre de Jean nous dit dans le chapitre 5 au verset 24, celui qui croit est passé de la mort à la vie. Et donc c'est le premier miracle de Jésus. Vous connaissez aussi certainement cette histoire au chapitre 4, où Jésus rencontre une femme qui est une femme pécheresse, une femme qui est à son sixième mari, à son sixième compagnon. Et à cette femme-là, Jésus-Christ ne parle pas de naître de nouveau. Il se révèle à cette femme. Durant son discours, il dit à cette femme, L'heure est venue où le Seigneur cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Avec cette femme, il s'engage dans un discours, dans un échange où il est question de religion. Et la femme lui dit, éventuellement, Es-tu le Messie Es-tu celui qu'on doit attendre Et il dit à cette femme, à une femme pécheresse, il se révèle. Il dit, Je le suis. Par contre, en parlant à Nicodème, qui est un chef religieux, il lui dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et je crois que dans ce passage, le Seigneur veut nous montrer la futilité de la religion. Il veut nous montrer que la religion ne va pas nous servir à devenir enfants de Dieu. Et je crois que nous sommes dans un temps, et surtout dans ce pays, surtout en France, et partout dans le monde. Mais il est important que l'Église puisse se démarquer, savoir sa vraie identité spirituelle. Ce texte, le texte que nous venons de lire, met en scène deux acteurs principaux. D'un côté, on a Nicodème. Nicodème est un homme, un chef, un homme d'autorité, un homme religieux, un chef des juifs, un chef des pharisiens. Il est quelqu'un qui trouve toute son expérience et sa qualification dans sa formation religieuse, dans ses actes religieux. Et de l'autre, il y a Jésus-Christ, il y a Dieu fait chair, la vie de Dieu présente, il y a Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Alors Nicodème qui vient et qui s'adresse au Seigneur Jésus et qui lui dit... « Je sais que tu es un docteur qui est venu de Dieu, car si on n'a pas Dieu, on ne peut pas faire les choses que tu fais. » Et Nicodème, avec toutes ces grandes références, avec toutes ces grandes qualifications qu'il a acquises au prix de, de grands efforts, on nous dit que c'est un pharisien, et pour être pharisien, il faut avoir étudié la loi, il faut avoir euh, fait de, de, de longues études, et il faut se conduire avec une moralité exemplaire et donc il vient avec tout ce bagage mais il sait que Jésus qui est de Dieu a aussi quelque chose que lui Nicodème n'a pas il sait que malgré tout ce qu'il a malgré tout ce qu'il a acquis au prix de beaucoup de sacrifices au prix de beaucoup d'années d'études au prix de beaucoup de privations au prix d'une vie d'ascétisme il sait que malgré tout cela, il lui manque quelque chose. Et la Bible nous enseigne qu'il vient rencontrer Jésus, qu'il vient de nuit. Et avec tout ce qu'il a, il vient pour s'entendre dire qu'il faut qu'il naisse de nouveau. Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. Alors imaginez-vous Nicodème qui... Euh, qui vient avec tout ce qu'il a comme bagage, qui vient pour, 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 pour peut-être apprendre une nouvelle, un nouvel enseignement, une nouvelle technique, quelque chose qu'il doit faire pour pouvoir à, à, atteindre cette dimension d'opération à, à laquelle Jésus est en train d'opérer. Il s'entend dire, toute ta religion, tout ce que tu as acquis ne te servira rien. Nicodème est venu avec toutes ses références, avec toutes ses qualifications, avec euh, tout ce qu'il a acquis, toute sa vie. Nicodème n'est pas, pas un jeune homme, il est quelqu'un qui, euh, qui, qui, a, qui a un certain âge, il est un chef des juifs. Et avec tout ce qu'il a, il s'entend dire, Nicodème, tout ce que tu as, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as acquis ne te servira. À rien. Tout cela est futile. Tout cela n'a aucune importance en ce qui concerne le royaume, en ce qui concerne faire partie du royaume, en ce qui concerne devenir enfant de Dieu. Tout ce que tu as appris toute ta vie n'a aucune importance. Bien aimé, quel choc de s'entendre dire que ce sur quoi on a compté toute la vie, en fait, n'a aucune importance. et la réalité aujourd'hui est que dans l'église, l'esprit et l'attitude et cette, 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 cet esprit de religion s'empare de personnes qui pensent que sur la base de leurs actions, sur la base de leur style de vie, sur la base de leur attitude. Sur la base de leurs connaissances, sur la base de leur, de leur grade, sur la base de leur ancienneté dans l'Église, ils ont un certain mérite en ce qui concerne la faveur de Dieu, en ce qui concerne la position devant Dieu. Tout ceci, Nicodème, ne te sert à rien. Tout cela est futile. Il te faut une chose et il te faut la chose la plus, la plus, la plus essentielle, la plus nécessaire. Il faut naître de nouveau. Ta religion est futile. Bien-aimé, tant il est vrai que vous comptez sur ces choses pour mériter quoi que ce soit devant Dieu, aucune d'entre elles ne peut vous être utile. Tant que vous comptez sur les choses que vous avez acquises par vos propres efforts, et que vous pensez que sur la base de ces choses, vous avez du mérite devant Dieu, ces choses ne vous servent à rien. Ces choses ne vous servent à rien. Elles sont futiles. L'essence même de la religion, c'est l'effort de l'homme pour plaire à Dieu sur la base de ses propres efforts et en dehors de la solution qui est offerte par Dieu lui-même. L'essence même de la religion c'est l'effort de l'homme de plaire à Dieu. Sur la base de ses propres efforts en dehors de la solution qui est offerte par Dieu lui-même. Nicodème quand je vous l'ai dit tantôt pensait venir avoir un nouvel enseignement. Il s'adresse à Jésus, il lui dit "Je sais que tu es un docteur je sais qu'il n'y a, 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 a aucune discussion à ce niveau. Tu es un docteur, tu es venu de Dieu. Tu as peut-être un enseignement, peut-être une technique, peut-être quelque chose que je ne connais pas, quelque chose que je dois faire. Et Jésus lui dit Non, il, il n'est plus question de faire, il est maintenant question de devenir, Nicodème. Vous voyez, bien-aimé, on devient afin de faire on ne fait pas pour devenir. C'est parce qu'on est devenu qu'on fait. Ce n'est pas en faisant qu'on devient. C'est parce qu'on est devenu enfant de Dieu. C'est parce qu'il nous a aimé le premier qu'en retour on l'aime. On ne pose pas des actions en comptant sur ces actions pour espérer provoquer l'amour de Dieu sur la base de nos actions ou espérer provoquer la faveur de Dieu sur la base de nos actions. Jésus est en train de dire à Nicodème, Nicodème, tout ce que tu as acquis, tout ce que tu as fait, tout ce sur quoi tu as compté, tu as été le premier à placer les chaises, tu as été le premier à donner, tu as été le premier, à, tu as été le plus ancien, tu as été le premier à aider, tu as été le premier à apprendre. Mais si tant il est vrai, que ces choses sont les seules sur lesquelles tu comptes pour espérer avoir du mérite devant Dieu, ces choses ne te servent absolument à rien. La chose la plus importante, c'est qu'il faut que tu naisses de nouveau. Aucune de ces choses n'est nécessaire. Aucune de ces choses n'a ne peut t'aider. Une seule chose est nécessaire, il faut mourir. Il faut mourir et il faut naître de nouveau. Et le problème numéro un, le problème le plus important de la religion est celui-ci. C'est une création toute faite de l'homme, qui est basée sur le fort de l'homme. Vous voyez bien aimé, je vais vous parler, je, parlons un peu de l'homme. L'homme est une, est une créature assez élaborée, assez, assez avancée. C'est la, la créature la plus parfaite de Dieu. Et l'homme a tendance à chercher une solution à tous ses problèmes de façon, de façon naturelle. L'homme cherche des solutions à son bien-être. L'homme cherche des solutions à ses problèmes de santé. L'homme cherche des, des, des solutions à ses problèmes de politique. Et de la même façon, l'homme cherche à combler le vide. Qui a été causé dans son cœur, dans son âme, par la chute du péché. Et c'est ainsi que l'homme pense que par des efforts religieux, par des rituels, par des rites, par des commandements, il peut se reconnecter à Dieu. Faites cette remarque avec moi. Toutes les religions du monde sont basées sur un système de mérite. Je me défi de me montrer une seule religion qui n'est pas ancrée sur le système de mérite. Fais ceci, et éventuellement tu pourras plaire à Dieu. Va à la Mecque. Fais cinq prières par jour. Ne bois pas d'alcool. Fais ceci ou fais cela, et éventuellement tu vas plaire à Dieu. Médite. Fais un effort. Fait ceci, fait ceci. Et toutes les, tous les systèmes religieux sont basés sur l'effort de l'homme. Pourquoi Parce que la religion, dans son essence, est une invention, est une création de l'homme. Avant la chute, il n'y avait aucune religion. Avant la chute de l'homme, il n'y avait aucune religion. Avant la chute, il y avait une relation entre Dieu et l'homme. Avant la chute, il y avait une relation. Avant la chute, il n'y avait pas de, de, de religion. La religion est, une, est un produit, est un produit, est une conséquence de la chute. Vous voyez, la Bible dit que quand l'homme a chuté, quand l'homme a désobéi, quand l'homme a péché, l'homme s'est tout à, tout à coup rendu compte de sa nudité. Et la Bible dit qu'il s'est caché derrière les arbres pour couvrir sa nudité. Bien aimé, je vous suggère ceci. Comme l'homme s'est caché pour couvrir sa nudité, la religion est aussi une sorte de mécanisme de défense de l'homme pour chercher à couvrir sa déchéance morale. Et en tant que mécanisme humain, la religion ne pourra jamais faire de vous un enfant de Dieu. Que vous l'appeliez religion chrétienne ou autre, elle n'a aucun avantage. Elle est futile. Elle ne pourra pas vous emmener dans le royaume de Dieu. La Bible nous dit, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez même pas voir le royaume de Dieu. La futilité de la religion. Alléluia. Le religieux compte sur son propre mérite, compte sur tout ce qu'il a fait, sur tout ce qu'il a acquis. En espérant que ce qu'il a fait, ce qu'il a acquis, ses efforts peuvent l'amener à être connecté à Dieu. Mais la Bible nous enseigne que l'Évangile, et c'est Paul qui le dit dans le livre de Romains, au chapitre 1, il dit, je n'ai point, car je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Une puissance de Dieu, et pas une puissance de l'homme, une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La Bible nous dit, je vais vous lire quelques passages dans le livre d'Éphésiens. Nous lisons ici Paul nous dit au chapitre 2 au verset 1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Selon le principe de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Verset 1 au verset 3. Et au verset 4, il commence par dire, mais Dieu, qui est riche en miséricorde. Du verset 1 au verset 3, il décrit notre sort, notre nature. Si tout ne dépend que de nous en tant qu'hommes, voici ce que nous sommes. Nous sommes morts par nos péchés et par nos offenses dans lesquelles nous marchons. Nous marchons selon le train de ce monde, selon le... Prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans, la fiche, dans les fils de la rébellion. Voici le sort de l'homme, quelle que soit sa moralité, quelle que soit sa fortune, quelle que soit sa religion, quels que soient ses efforts. Donnez tout votre argent à des associations caritatives. Pensez que vous êtes le meilleur des hommes parce que vous, vous pensez que vous n'avez jamais volé que vous n'avez jamais menti, que vous êtes un modèle moral. Pensez tout ce que vous voulez de vous. Mais par nature, vous êtes un enfant de la rébellion. Par nature, l'homme opère d'une position de mort. La Bible dit dans le livre de Genèse, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. Et l'homme qui a désobéi à Dieu, par nature, opère à partir de la mort. Le diable maquille la mort et veut nous donner une apparence acceptable de la mort, de sorte qu'on puisse se contenter de la mort. Et la Bible dit, ceux qui sont dans la mort sont aveuglés par le Dieu de ce monde. Ils opèrent dans la mort. La religion opère dans la sphère de la mort. Et la religion ne peut pas donner la vie, car elle opère à partir de la mort. Elle est le fruit de la mort. Vous étiez morts par vos péchés et par vos offenses. Mais Dieu, il faut une intervention de Dieu afin que l'homme ait la vie. La Bible nous parle aussi et nous avertit abondamment contre le légalisme religieux. Nous voyons par exemple dans le livre de Romains au chapitre 3, Romains chapitre 3, au verset 20, la Bible dit ceci. La Bible dit, car nul ne sera justifié devant lui, devant Dieu, par les œuvres de la loi. Nul. Aucune personne nulle, ça veut bien dire nul. Aucune personne. Alors imaginez-vous la personne la plus morale de votre, de votre entourage. La personne qui, qui, qui tire son honneur du fait qu'elle est une personne morale. Je. je je suis, je suis d'une famille, je suis né dans une famille catholique. Mon père était un dignitaire de l'Église catholique. Et personnellement, j'ai un enseignement qui, qui, qui dit, qui est en plusieurs parties. Peut-être un jour Dieu permettra qu'on qu le partage. Pourquoi Rome a tort? C'est un grand piège. C'est un grand danger. C'est un grand danger. Mon père était, était malade. Mon père était malade. Il était malade pendant longtemps, il était vieillissant, il était malade. Et un jour, je, je lui ai dit, mais, mais papa, je lui ai prêché l'évangile, papa, le Seigneur a payé pour tes péchés. Il faut, il faut que tu lui donnes réellement ton cœur et, et tu seras sauvé. Et vous savez ce qu'il m'a dit, mon père Il m'a dit, pour tout ce que j'ai fait à l'église et pour tout ce que j'ai fait pour l'Église, l'Église ne peut pas me laisser tomber. Voyez à quel point la religion nous amène à compter sur nos efforts. La religion nous amène à compter sur nos efforts et la raison pour laquelle ce texte figure dans la Bible c'est pour nous enseigner le danger et la futilité de la religion. Nous ne sommes pas des religieux. Nous ne sommes pas des serviteurs, nous sommes des enfants. Mais à tous ceux qui ont cru à tous ceux qui ont accepté, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia! Le religieux, le légaliste religieux est animé d'un sentiment de mépris et de supériorité envers les autres. On va voir cela dans le livre de Luc, dans le livre de Luc au chapitre 18. Une histoire assez intéressante. Je vais lire à partir du verset 9. C'est une, une parabole. Il dit encore cette parabole, c'est Jésus qui parle, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles qu étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour, pour, pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Bien aimé, est-ce c'est un esprit qui envahit l'Église. Et si nous, faisais, si nous ne faisons pas attention, nous sommes victimes de cet orgueil religieux. Regardez cette sœur, regardez comme elle s'habille. Regardez ce, 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 cet homme, regardez comment il marche. Je suis supérieur à lui, je gêne deux fois, je paye ma dîme, je fais ceci, je fais cela. Et dans notre cœur, nous développons un sentiment de supériorité. Si vous avez dans votre cœur un sentiment de supériorité sur les frères et les soeurs dans l'église, vous êtes certainement victime d'un esprit de religion. Vous n'êtes pas mieux que quiconque. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et la Bible continue ici pour dire Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant Ô oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, et le Seigneur qui parle celui-ci descendit dans sa maison justifiée, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Combien de chrétiens voyons-nous qui veulent se lever sur la base de, des choses qu'ils qu qu font Combien de chrétiens s'estiment supérieurs aux autres sur la base des choses qu'ils font Et ça, c'est une caractéristique de l'esprit de la religion. Ces sentiments de supériorité, un esprit de compétition, un esprit de performance, un esprit d'hypocrisie. Vous voyez, Dieu voit au-delà de l'apparence. Je me souviens avoir enseigné sur la justification par la foi dans une église. Et il y a des chrétiens qui étaient membres de cette église depuis plusieurs années. Des chrétiens entre griffes qui ce jour-là, ce soir-là de l'enseignement, je me souviens encore qu'ils sont devenus chrétiens. Ils étaient assis dans l'église, ils étaient membres de l'église et tout le temps qu'ils ont passé dans l'église, ils ont compté sur le fait qu'ils étaient membres d'une église. Et ce soir-là, le Seigneur a ouvert leurs yeux et ils se sont donnés réellement au Seigneur. Comme Paul, ils ont dit, je compte... Je, je, je ne peux plus me permettre de compter sur tout ce que j'avais, tout ce que j'ai fait. Je ne peux que compter sur la grâce de Dieu, sur le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné pour moi. Le religieux a son identité enracinée dans son style de vie et non en Christ. Le religieux a son identité enracinée dans son style de vie et non en Christ. Le religieux pense que son style de vie, sa moralité personnelle, sa morale personnelle lui donne un avantage devant Dieu. Le religieux pense que son, son, son attitude, son style de vie, son accoutrement, son, sa façon de se tenir lui donne un avantage, un mérite devant Dieu. Bien-aimé, c'est un piège de l'ennemi. Le religieux cherche à, à mériter son statut devant Dieu alors que la relation accepte le don gratuit de la justification. Le religieux cherche à mériter son statut devant Dieu. Pendant que celui qui a une relation accepte le don gratuit de la justification. Je vais vous lire un passage dans le livre de Luc au chapitre 7. Je lis rapidement, verset 29. Que dit la Bible Luc 7, je vais lire le verset 29. La Bible nous dit ceci. Et tout le peuple qui l'a entendu, Et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême d'eau. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Les pharisiens et les docteurs de la loi, en refusant de se faire baptiser par Jean le Baptiste, ont rendu nul à leur égard. Le dessein de Dieu. Le légalisme religieux voit en abomination la grâce de Dieu pour le pécheur. Le légalisme religieux voit dans la grâce de Dieu une abomination. Il se croit supérieur à la grâce de Dieu. Vous avez vu ce que la Bible dit La Bible dit que ces gens ont rendu nul le dessein de Dieu à leur égard. Dieu le Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible, ces gens sont capables d'annuler le dessein de Dieu dans leur vie. Pourquoi Par leur esprit religieux. Nicodème, il te faut naître de nouveau. Ta religion est futile, elle ne te servira à rien. Le religieux ne manifeste aucun signe de travail intérieur. Il a tout son honneur, tout son orgueil, toute sa richesse dans les apparences. Extérieur. Paul dit dans le livre de Galates au chapitre 1, il dit, et je vais le lire rapidement, au chapitre 1, verset 19, je crois, il parle de plaire aux hommes. Chapitre 1, verset 19, il dit ceci au verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. L'homme religieux cherche l'honneur des hommes et non l'honneur de Dieu. L'homme religieux cherche l'honneur des hommes et non l'honneur de Dieu. Nous savons tous ce qui se passait dans l'église de Galate et des, des religieux étaient venus annoncer un message, prêcher un message de, de la justification par les œuvres. Ils disaient à ces nouveaux chrétiens, c'est vrai, vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, mais en plus, il faut que vous fassiez ceci. Il faut que tous les chrétiens ici soient circoncis, il faut que vous vous, vous obéissiez au commandement de la loi afin d'être réellement sauvés. Et Paul leur dit, quand vous agissez de la sorte, vous agissez ainsi afin de plaire aux hommes. Et plus tard, il leur dit Celui qui se conduit de cette façon est déchu de la grâce de Dieu. Il s'est détourné de la grâce de Dieu. L'homme religieux cherche à plaire aux hommes. Et donc, la religion, comme on le voit dans ce passage que nous avons lu dans le livre de Jean, dans l'incident entre Jésus et Nicodème, il est question de nous montrer la futilité de la religion, afin qu'en tant que chrétien, on puisse comprendre que la nécessité, le cœur même de notre vie chrétienne repose sur une relation vivante avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Comme je vous disais, le livre de Jean est écrit avec un objectif précis. Il parle de la vie. La vie de Dieu dans l'âme de l'homme. Comme disait Henri Scougal, ce théologien écossais, qui a écrit un livre qui était justement intitulé La vie de Dieu dans l'âme de l'homme. Cet évangile est écrit pour nous parler de la vie que Dieu communique à l'homme. Pour nous parler de la nécessité de naître de nouveau, comme nous l'avons vu dans ce dans ce dans ce passage pour nous parler de la futilité de l'effort de l'homme pour ce qui concerne la relation avec Dieu. Je voudrais donc juste conclure cette première partie pour vous dire que la religion peut nous donner l'illusion d'être dedans, d'être dans le royaume quand en fait on est en dehors. La religion peut nous donner l'illusion d'être dans le royaume quand en réalité on est dehors. Si Nicodème n'avait pas rencontré le Seigneur Jésus-Christ ce soir-là, ce jour-là, il aurait eu l'illusion qu'il était toujours dans le royaume. Il aurait eu l'illusion qu'il était qu'il faisait partie du royaume. Mais il a rencontré le Seigneur et je crois que cette rencontre a été la rencontre la plus déterminante de sa vie pour comprendre que tous ses efforts, tous les efforts qu'il a faits, tous ses efforts, toutes ses toutes ces, ces privations, tout l'ascétisme qu'il a enduré, étaient en réalité une futilité. Et que tout cela ne lui servirait absolument à rien. Bien-aimé, il faut naître de nouveau. C'est une nécessité, ce n'est pas une option, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un conseil, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Nous allons parler encore de cette doctrine merveilleuse qui est la doctrine de la régénération. Et l'Église a besoin de comprendre les doctrines, les enseignements de la parole de Dieu. On est arrivé dans un temps où même le mot doctrine agace certains chrétiens. Quand on parle de doctrine, il y a certains chrétiens qui disent ⁇ Ah, nous, on n'a pas besoin de doctrine, on a besoin de, de manifestation ⁇ mais remarquez avec moi, si vous lisez, si vous êtes un lecteur, un, un étudiant attentif de la parole de Dieu, vous voyez par exemple dans les épîtres de Paul que toutes les exhortations à la vie chrétienne pratique ne sont données qu'après une explication exhaustive de la doctrine. Prenez l'exemple du livre de Romains. Du chapitre 1 au chapitre 11, Paul explique, il enseigne. Et à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 16, les quatre derniers chapitres sont réservés à l'exhortation pratique. Ce que nous faisons doit être fondé, enraciné dans qui nous sommes et dans ce que nous croyons et dans ce que nous connaissons et dans ce que nous avons reçu sur la révélation de notre identité spirituelle. Il y a un livre dont le titre me vient à l'esprit, qui est un livre que, que, je, je, que je ne connais pas en français, il existe certainement en anglais, qui est intitulé Faith Seeking Understanding. Ce qui veut dire littéralement la foi qui cherche la compréhension. Nous commençons certainement d'un point de départ de foi. Nous croyons par l'œuvre de Dieu, nous croyons dans notre cœur, mais après avoir cru, nous entamons un voyage de découverte, un voyage où nous devons comprendre, chercher à comprendre quelle est notre foi, quel est l'enseignement biblique sur la foi chrétienne, afin que nous puissions comprendre notre identité réelle, notre identité spirituelle. C'est seulement à ce moment-là que nous pouvons avoir un impact. Nous allons certainement continuer cet enseignement. Que Dieu vous bénisse et que par l'action du Saint-Esprit, il parle à vos cœurs. Il faut naître de nouveau.